Bonjour mes petites étoiles, on arrive à la pochette argentée, la troisième. Donc elle est magnifique, moi je la trouve très très belle l'argentée aussi. Je sais pas si vous la voyez bien. Oups, bah j'ai fait tomber la... J'ai oublié d'enlever la petite fée. Ah bah oui, bah elle vous refait un petit coucou la petite fée hein, de la pochette rose pailletée. Elle est là, elle vous fait un petit coucou. Alors on va la remettre ici. Et on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette pochette. Alors, comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On verra bien. Alors déjà, vous avez un petit cadeau. Vous avez une petite boîte. Mais la petite boîte, il y a quelque chose dedans. Regardez, elle est magnifique, ça brille. La petite boîte, je la garde et on va l'ouvrir à la fin. Ce sera la surprise. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans cette pochette de l'univers argenté. Alors, on a déjà 5 cartes. Alors, déjà on a un masculin, on a alors on va prendre dans l'ordre, j'essaie de les mettre. On a la sororité, la carte de la sororité. Je vais y arriver ce soir. Alors moi je vois qu'il y a beaucoup de tendresse et d'amour, peut-être un soutien d'une amie, voyez, quelqu'un qui est là pour vous, que vous aimez beaucoup, qui est proche de vous et qui vous partagez comme avec une sœur. Peut-être une sœur que vous n'avez pas, peut-être une sœur que vous avez mais avec qui vous ne partagez pas. Et là, moi, on me dit que c'est une, comme une sœur, mais vraiment, il y a beaucoup de complicité, beaucoup d'échanges. Elle est là pour vous, quelle que soit la période de votre vie, elle est là. Elle est là et il y a beaucoup, beaucoup d'amitié sincère, une personne sincère près de vous. Je sens que c'est magnifique entre vous. Hein. C'est vraiment, alors ça peut être féminin ou masculin, mais en tous les cas, si vous êtes un homme, vous avez aussi un ami qui est là pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le masculin. Alors là, on a des énergies masculines sur ce tirage. Un beau masculin, quelqu'un je sens quelqu'un de fort, quelqu'un avec beaucoup de charisme, quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. Voyez, quelqu'un qui est... On parle de décision, des prises de décision. Cet homme a pris des décisions. Il regarde droit devant lui, hein. Il sait ce qu'il veut dans la vie, hein. Vraiment. Hein. Alors, si vous êtes une femme qui regardait, ça c'est l'homme que vous aimez. Et il pense à vous, bien entendu. Hein. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez la carte du pèlerinage. Moi, je ressens que vous avez besoin et on vous dit d'aller faire un petit pèlerinage dans un lieu saint pour vous retrouver vous-même. Alors, c'est peut-être un homme qui a besoin de ça. Hein. Il a besoin de se retrouver, d'aller faire un pèlerinage, ou une femme hein, qui a des énergies masculines. Vous ressentez le besoin et on vous dit d'aller faire un petit pèlerinage dans un lieu saint, un lieu qui vous tient à cœur, un lieu où vous vous sentez bien, où il y a des belles énergies. Vous avez besoin, on me le dit, d'aller prier. Donc, on va se dépêcher parce que j'ai plus de batterie. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la chance, hein. J'ai l'abondance. Vous hein. Voyez, vraiment, il y a la chance, l'abondance. Je sens que vous avez de l'argent qui arrive. Hein. Et il y a une grande joie, il y a l'extase. Une très, très grande joie. Il y a quelque chose de très, très fort qui arrive pour vous. Je suis heureuse hein, de vous annoncer ça. Ceux qui ont choisi la dernière pochette, la dorée, franchement, c'est magnifique. Hein. Vous avez vraiment quelque chose de... Je sens vraiment quelque chose de magnifique, d'inattendu qui arrive, qui va vous donner une grande, grande joie. Beaucoup de lumière, hein, beaucoup de lumière dans ce tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a les quatre anges, là. Alors, qui c'est qui vous assiste hein? Qui c'est qui est là en ce moment dans votre vie? Ah, vous avez l'ange de la joie, vitalité, liberté et rire. Eh ben, vous voyez, super pochette, hein.
si vous avez choisi ça, franchement, vous avez la joie qui est là, qui arrive. Vous avez l'ange de la générosité, la source intérieure, bonté. Oh là là, c'est magnifique. Regardez, ça, il y a l'abondance qui arrive pour vous, hein. Je ne sais pas si vous l'attendez, si vous le savez, mais en tous les cas, il y a l'abondance, hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est magnifique. On a l'ange de l'amour, la compassion, la bonté, la bienveillance. C'est magnifique cet ange. Regardez comme il est beau. Est-ce qu'il ressemble à l'homme que vous aimez? Est-ce qu'il a un petit côté de l'homme que vous aimez? Est-ce qu'il a des faux airs, peut-être? Après, ça peut être un homme qui regarde et ça peut être aussi une femme hein, que vous aimez. Hein. C'est un homme aussi, magnifique. Alors, vous avez l'ange de la paix. L'ange de la paix, du calme, du silence, de la liberté. Vous vous sentez bien en ce moment. C'est l'ange de la paix. Il est là pour vous soutenir. C'est pour ça que vous êtes bien. Vous avez enfin le droit à la paix. Vous avez enfin le droit au bonheur. Moi, je ressens que là, vous avez traversé des choses difficiles dans votre vie. Mais on me dit que ça y est. Ça y est, c'est enfin le bonheur, l'abondance, la lumière, l'amour qui arrive. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte des anges? J'ai Sonia, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Oh, c'est magnifique. Vous avez un petit clin d'œil de quelqu'un qui est passé de l'autre côté. C'est magnifique cette carte. Regardez comme elle est belle. Vous la voyez? Et la personne qui est passée de l'autre côté, elle veille sur vous, hein, sincèrement. Hein. Donc, alors ça peut être quelqu'un qui s'appelait Sonia. Il y a le prénom Sonia. Ou alors c'est Sonia qui regarde la vidéo, ou alors c'est pas du tout ça, hein, c'est juste un signe pour quelqu'un qui regarde. En tous les cas, moi je ressens que c'est une femme qui vous fait un coucou de l'autre côté. C'est peut-être une maman, quelqu'un que vous aimiez très très fort, une amie qui était, qui comptait pour vous. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va se dépêcher, j'ai plus de batterie, que ça coupe pas. Alors, oh là 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 là, vous avez un magnifique tirage, un magnifique, magnifique, magnifique. Alors, vous avez l'abondance. Alors déjà, vous avez l'abondance. Donc là, je vous dis carrément que ouvrez vos bras, jouez au loto. Je ne sais pas, avec un tirage comme ça, franchement, il y a quelque chose de magique qui va vous arriver dans votre vie. Hein. Il y a la chance. Ah oui, alors jouez au loto. Hein. Faites un jeu du hasard parce que là, il y a de l'argent, il y a de la chance. Franchement, c'est l'idéal. Hein. Franchement, j'aurais bien aimé choisir cette pochette. Alors, je n'ai pas fait mon choix dans ma tête, mais il y a une porte qui s'ouvre. Hein. Vous allez vers le bonheur, hein, vraiment. Hein. Oh là là, c'est magnifique ce tirage. Regardez comme c'est beau. Vous avez le soleil derrière la porte. Vous avez un cœur sur la porte. Hein. Regardez comme c'est mignon. Ah, c'est super, vous avez la chance avec un nouveau départ en fait, hein, un grand changement dans votre vie. Hein. Par contre, on me parle de jalousie. Hein. Il y a un peu de jalousie, même beaucoup. Hein, Alors, il va y avoir un engagement peut-être. Hein. Moi, je sens que là, comme le cadenas, vous savez, sur le pont, comment il s'appelle ce pont à Paris, on va mettre son cadenas quand on est amoureux. C'est ça, hein. Il y a de la jalousie, mais il y a aussi un lien très fort. Et il y a, vous êtes comme deux aimants, hein, vous êtes vraiment le plus et le moins qui s'attirent, vous êtes complémentaires, hein, vraiment. Hein. Là, écoutez, pour ceux qui regardent, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une surprise, ah bah oui, une grande surprise inattendue. Là, moi, je ressens vraiment qu'il y a un truc de dingue qui va vous arriver. Vous y attendez pas, mais il y a une grande grâce, une grande surprise de l'univers. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un changement. Vous allez vers la destinée. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Vous y allez. Vous allez vers la destinée. Vous avez un lien d'âme. Un lien d'âme avec cette personne que vous aimez. Hein. Il y a vraiment quelque chose de magnifique. Hein. Vous êtes avec la bonne personne. En tous les cas, s'il n'est pas avec vous, il revient vers vous. Vous hein, voyez? Vraiment. Hein. Après, ça peut être aussi quelqu'un, encore un défunt, qui a un lien d'âme avec vous, qui est passé de l'autre côté, mais qui... Il y a toujours un lien fort hein, d'amour. Et puis, vous avez la sexualité. Hein, ça va être torride entre vous. Hein, il y a beaucoup d'amour, mais pas, c'est pas que sexuel. Hein, c'est un amour, c'est une sexualité divine. Hein, je dirais,
On parle d'énergie vraiment sacrée, hein. C'est vraiment de, c'est charnel, c'est beau, c'est avec de l'amour, hein. Bon, bah écoutez, les petites étoiles, pour ceux qui ont choisi l'argenté, c'est vraiment super. Alors, qu'est-ce que j'ai après? J'ai Marie. On me parle de la carte calme avec Marie, hein. Magnifique. Moi, je trouve que ça y est, on me dit que vous retrouvez une sérénité, du calme. Alors, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. On me dit que là, il faut que vous écoutiez. Voilà, vous écoutez, vous êtes en train d'apprécier ce qui va arriver. Vous allez vraiment déguster ces petits moments de bonheur qui arrivent. Enfin, ces gros moments de bonheur. Hein. Moi, je ressens qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonheur. Hein. De beaucoup de lumière, beaucoup de. On me parle d'enfant. Hein. Alors là, c'est Jésus, mais moi, j'ai la sensation qu'il va y avoir un petit bout qui va arriver. Hein, on me le dit. Hein. Alors, ça, que de bonnes nouvelles. Ensuite, on a Jésus qui nous envoie un message et on me dit, demandez, il vous sera donné. Ben, décidément, c'est l'abondance. Hein. Demandez, il vous le sera donné. Et là, qu'est-ce qu'on voit encore? Un enfant avec Jésus. Hein. Donc, demandez un enfant si vous en voulez un et on vous le donnera. Voilà, il arrivera. Soyez pur comme un enfant quand vous demandez des choses à Jésus. Hein. Ouvrez votre cœur, ne mettez pas de filtre, parlez-lui comme à votre papa, comme à quelqu'un qui vous aime fort parce qu'il vous aime inconditionnellement. N'hésitez pas à lui demander tout ce que vous voulez parce que rien n'est impossible à Jésus, hein, je vous assure. Je peux en témoigner, moi il m'est arrivé des choses de dingue. Voilà. Alors, et puis la dernière carte, c'est bah, la carte de l'abondance. Les anges vous disent que c'est l'abondance, c'est magnifique, regardez. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Vous avez l'abondance financière, l'abondance de l'amour qui arrive. Hein. Donc ceux qui ont choisi la dernière pochette argentée, waouh, hein, franchement, faites un loto, faites quelque chose, hein, parce que là, je sens beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Oh, c'est magique, magique. Ah, on avait oublié la petite boîte. Donc je vais vous ouvrir, parce que vous attendiez depuis le début, qu'est-ce qu'il y a dans la petite boîte, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la petite boîte? Regardez qu'est-ce qu'il y a dans la petite boîte. Une bague. Une jolie bague. Une bague de fiançailles. Eh oui, ça y est, il va vous demander en mariage. Il va vous demander en mariage. Il va officialiser votre union. Elle est magnifique, cette petite bague. Hein. Un beau diamant solitaire en plus. Waouh! Bah écoutez. Je suis ravie pour les personnes qui regardent ce tirage, qui regardent cette pochette argentée avec mes petites étoiles là. Voilà, je vous la remonte parce que franchement, c'est la pochette du bonheur là. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Vous allez vers le bonheur. Hein. Donc, soyez rassurés. Si vous avez choisi cette pochette, c'est que l'abondance arrive, le bonheur, le mariage, enfin tout. Écoutez, c'est magnifique, c'est génial. Je suis ravie pour vous. En tous les cas, j'espère que je vous ai apaisé, parce que je sens que vous en aviez besoin. Rassurée aussi, que vous êtes sur le bon chemin. Et bah, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à liker, à vous abonner. Pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, privées, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez le mail sous la vidéo. Toutes les infos sont marquées. Et puis, je vous dis à très très vite. Je vous envoie plein, 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 plein de lumière, plein d'énergie d'amour et d'abondance. Parce que là, il y a de l'abondance. Hein. Tenez-moi au courant de ce qui arrive dans votre vie, hein, si les choses se passent. Enfin, moi, je pense que si vous arrivez jusqu'à cette vidéo, c'est qu'elle vous parle, elle doit vous parler. Si elle ne vous parle pas, c'est qu'elle n'était pas faite pour vous. Il faut que ça résonne. En tous les cas, je ressens beaucoup, beaucoup d'énergie, des belles énergies. Ça rayonne, hein. Franchement, vous allez voir, ça va être magnifique, magnifique, magnifique dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent. Vous me tiendrez au courant. En tous les cas, je vous embrasse très, très, très fort et je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui regardent le soir et une belle journée pleine de lumière et plein de soleil et d'énergie d'amour divin pour la journée. Voilà, à très vite. Merci.